Il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi, ennemi. Rachetez les temps quand les jours mauvais arrivent. Les temps sont finis. Le retour de Jésus-Christ est imminent. C'est du fait. Sans chercher la paix de ton âme. Il faut savoir que l'enfer est réel. Et Jésus-Christ veut te sauver de l'enfer. Jésus veut te sauver du flamme, de flamme de l'enfer.
vas-y mieux dès le son matin, mes amis. Et vas-y, c'est mieux pas d'aller là. On fera ma soeur. Je vais sous le yonou. Dans chambre de passage, ne finissez pas la fête dans les chambres de passage. Mais il faut que nous venions dans les chambres de passage. Là. Pensez à votre âme. Maman, nous poussons à l'idomito. Pensez au salut de votre âme. Nous poussons à l'idomito. Parce que les temps sont finis. Donc, où est la colère de Dieu. La colère de Dieu s'annonce. Mais il veut te sauver toi qui m'écoute. Le Seigneur Jésus veut sauver quelqu'un qui m'écoute. Jésus, j'ai roulé mes dents. La repentance de quelqu'un ici. Et non, mais laissez-les votre bail. Mon frère, ma soeur, ne finis pas la fête dans la chambre de passage. Mais il faut qu'on prenne mes notes. Jésus n'est pas né dans une chambre de passage. Et dit Jésus, non. Jésus n'est pas né dans la chambre de prostituée. Et dit Jésus, non, à Galette, la sirome. Je te dis en vérité, en vérité. Le retour de Jésus est imminent. Jésus, tu connais les conséquences. Si c'est réellement Jésus que tu es en train de fêter aujourd'hui, nous savons tous que Jésus n'est pas né aujourd'hui. Mais on t'a dit que Jésus est né aujourd'hui et tu as accepté. Mais si c'est Jésus que tu fêtes réellement, il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Jésus-Christ a crié sur la croix. Jésus, le souffle la tous sur un corps de salut de ton âme. Nous, les gars, les gars, tout est Jésus a été crucifié. Et quoi, Jésus, la tous sur pour que tu n'ailles plus en enfer. On nous voit le maçon bien sous bien sous ma tu dois l'accepter. Et le monde, on a une tu dois l'accepter. Au moment que tu m'écoutes, au moment. Au moment qu'il est encore temps. Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Les mauvais jours s'annoncent. Le retour de Jésus. Jésus s'y c'est imminent. C'est imminent. C'est imminent. C'est imminent. C'est imminent. Les temps sont mauvais. 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 Rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Depuis hier à aujourd'hui. Où tu dis que tu es en train de fêter la naissance de Jésus. Qu'est-ce que tu as fait qui a donné la joie à Jésus? Et bien, le bébé a dit à nous Jésus. Qu'est-ce que tu as fait qui a donné la joie au cœur de Jésus? Est-ce que c'est le whisky que tu as pris? Whisky de Anoulé, ouais. Est-ce que c'est ça qui donne la joie au cœur de Jésus? Eh ouais, non, dit Jésus. Est-ce que c'est le bien que tu as pris? Eh bien, de Anoulé, ouais. Est-ce que c'est ça qui donne la joie au cœur de Jésus? Non, dit Jésus, c'est ça. Est-ce que c'est le temps que tu as passé dans le bar? Est-ce que c'est la fille que tu as amenée dans la chambre de passage? Est-ce que c'est ça qui fait la joie de Jésus? Si c'est Jésus que vous fêtez, il faut le fêter dans la crainte de son nom. Fêtez Jésus! Célébrez Jésus! C'est faire sa volonté! Jésus, mon frère, ma soeur, repentance, les temps sont finis, le retour de Jésus, Jésus c'est imminent, c'est imminent, c'est imminent, c'est imminent, c'est imminent, le retour de Jésus, repentance, les mettez de l'ordre dans votre vie, un jour arrive, pour ceux qui rejettent l'évangile, chercheront avec l'âme. Mais ils ne trouveront plus. Mais aujourd'hui, à ta voix, nous mettons de ces voix. N'as-tu si c'est provoqué? Mais ma sienne est ramitolée. N'as-tu si c'est provoqué? Mais ma sienne est ramitolée. Fêtez Jésus! Et nous, Jésus, si ce n'est pas la vie d'abomination! Et nous, si c'est la naissance de Jésus, comme tu sais, tu peux prendre le temps de méditer sur ta vie de pécheur! Oh! Oh! Mais au contraire, à mon dernier la caméra, tu es en train de faire. Allons-nous, tu es en train de booster ta vie de péché. Allons-nous, que si. Depuis hier à aujourd'hui. Il a dit que ça, tu as l'osé. Depuis hier à aujourd'hui. Si ça va être meilleur. Les péchés se sont multipliés dans ta vie. Tu continues de dire que ça, tu es. Repentance. Lève-toi. Repentance. Lève-toi. Repentance. Lève-toi. Repentance.
révolte. Les temps sont finis. Où est l'écofond? La colère de Dieu bouillonne. Promenez à Rome, gloire Jésus ton côté. Vous qui dites que vous fêtez Jésus. Mais non, pour Jésus ton doué. Et vous vivez dans le plus de cité. Amine nous, quidi, à Calais. Donc, tu vas aller dans le champ de passage. Sans les dianaïs, à sa dédiée. Tu vas les conduire, nous prostituer. À la chambre de passage. À Calais, il file et nous tuons. Oh, repentance. Lève-toi. Repentance. Lève-toi. Les temps sont finis. Où est l'écofond? Le retour de Jésus. Jésus, c'est quoi l'île? C'est imminent. C'est imminent. Les temps sont finis. Où est l'écofond? Les temps sont finis. Où est l'écofond? Les temps sont finis. Où est l'écofond? Nous sommes tous d'accord. Eh, mimi, go tout. Que Jésus n'est pas né verset de sang. Écoute, Jésus, verset de sang. Mais tu acceptes que oui, c'est ça. Comment aïe, que l'on a mis dans nous, quoi. Mais depuis hier. Eh, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait? Et diable. Qui glorifie le nom de Jésus? Et ça qui connaît Jésus de sang. Est-ce que c'est le temps que tu as passé dans les bars? Cautionnez votre vie d'impudicité. Nous nous demandons ça parce que tu cuis. L'enfer rien. Mieux se maintient nous comme même. L'enfer rien. Mieux se maintient nous comme. Toi qui vis dans l'impudicité. Comme nous, parce que cuis. C'est dit quand tu es en train de fêter Jésus. Comme nous, il y a des disciples de la mort. Mais tout à l'heure, tu vas te retrouver. Alaï. Les chambres écartées dans une chambre de passage. On a qui a ça de l'eau. Est-ce que c'est fêter Jésus ça? Jésus, c'est quoi nous dire de moi? Est-ce que c'est fêter Jésus? Jésus, c'est quoi nous dire de moi? Repentance. Lève-toi. Repentance, lève-toi. Les temps sont finis. Où est l'écofond? Toi qui es en train de fêter. Jésus avec bière. Jésus, vous avez pas bière. Avec whisky. Voilà whisky, faut. Mais, pouvoir. Mais aujourd'hui, Jésus m'envoie te dire. Jésus s'est mis demain dans nous. Repentance. Lève-toi. Repentance. Lève-toi. Regarde les choses que tu as mis sur la tête. Tu as dit que tu as fait Rasta Jaja. Est-ce que Jésus est Rasta Jaja? Jésus est Rasta Manoué Kaya. Repentance. Lève-toi. Repentance. Lève-toi. La colère de Dieu bouillante. Pour mes blancs, montez la parole. La colère de Dieu bouillante. Pour mes blancs, montez la parole. Pour ravager ce monde de la plus d'impudicité. Pour les hommes couchent avec les hommes. Soulez le nom de Dieu. Les femmes couchent avec les femmes. Soulez le nom de Dieu. L'enfer est. Les hommes qui nous bouillent. L'enfer. Les hommes qui nous bouillent. Repentez. Lève-toi. Donnez vos vies à Jésus. Mais sans que ça m'étonne Dieu. Donnez vos vies à Jésus. Mais sans que ça m'étonne Dieu. Donnez vos vies à Jésus. Mais sans que ça m'étonne Dieu. Les temps sont finis. Où est l'écofond? Jésus, pardonne-moi. Jésus a pris la vie de Dieu. Il fait que tu te répandes. Eh ben non, on dit les votes. Il t'appelle à la répandre. Eh bien, on dit les votes. Si vous entendez sa voix. Nous, nous, que c'est vrai. Les temps sont finis. Depuis hier à aujourd'hui. Si ce va être bien. Tu dis que tu es en train de fêter le sang de Jésus. Alors, mais notre Jésus, c'est ici pour nous. Mais si je te demande. Nous, à combien est-ce que tu ouvres ta Bible. Tu ouvres ta Bible. Et tu me dis comment Jésus est né. Où est-ce qu'on a écrit là? Non, 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 non. Dès que Jésus m'a fait que tu ouvres dans nous, mieux. Peut-être que tu n'as même pas de Bible. Attends, nos Bibles, il y a. J'ai honte de cette génération. Et là. Mais ça, quid des gens à Yahweh? J'ai honte! Oui, c'est la génération! Jésus-Christ, pleure! Jésus a fait Yahweh! Nous, je ne te garde pas notre personne que ça qui est pleure pour votre soin en enfer! Et la prière, nous nous sommes matinés, nous sommes comme nos sacs que ça qui est pleure! Mais il veut racheter au moins une personne! Avant, il dit à vous, mais nous pouvons quelqu'un qui a dans le monde! Et donc, nous nous repentir! Nous nous lèvons au moins une personne! Et il veut nous pouvons non à la fabrication! On a le héros, nous avons l'idée! Non à la fornication. Alors, toi qui me coûtes en ce moment. Tu es en train de regarder là. Alors que tu vas te retrouver dans un champ de passage. Tu es en train de regarder tes jambes. Tu es en train de frapper Noah. Jésus, c'est quoi nous? Est-ce que Noah est né dans un Jésus est né dans un pas de champ de passage? Jésus a un champ de passage de Catilia. Repentance. Lève-toi. Toi qui me coûtes. Mets de l'ordre dans ta vie. Ce qui te représente toi-même. Mets de l'ordre dans ta vie. Ça, tu te revenez à Jésus qui est content. Jésus,
Je ne suis pas venu te prêcher église. Je ne suis pas venu te prêcher religion. Les religions vous ont menti. C'est la religion qui vous a menti. On vous dit que Jésus est né en cette date. Mais ils n'ont rien fait. Papa Noël, Papa Noël. On ne connaît même pas le nom de Jésus en cette date. On ne connaît que le nom de Papa Noël. Papa Noël, c'est ça. Est-ce que Papa Noël, c'est le père de Jésus? Papa Noël, Jésus, c'est toi, Kaya. Vous dites que vous fêtez Jésus. Mais vous ne faites pas appeler le nom de Papa Noël. Est-ce que Papa Noël, c'est le père de Jésus? Papa Noël, c'est Jésus, c'est triste. C'est la folie de ce siècle. Sortez de la folie de ce siècle. Sortez de la folie de ce monde. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Les colères de Dieu. Ça bouillonne. Ça va écraser. Les incrédules. Les pervers. Les fils de la rébellion. Mais pour les humbles qui entendent ce message et qui tremblent et qui se répandent, le Seigneur leur fera grâce. Le Seigneur vous fera grâce si tu te répands. Mais si tu as douté, repentance maintenant. Les temps sont finis. Oui, les coffres. Toi qui couches avec un. Tu es homme, tu couches avec un homme. Oui, mais Yusuf, nous voulons nous faire sourd. Tu es femme, tu couches avec un femme. Aïe, nous voulons nous faire sourd. Abomination. Sortez des abominations. Sortez des abominations. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Les temps sont finis. Le retour de Jésus. C'est imminent. Est-ce que tu as fait le bilan de ta vie? Hier à aujourd'hui. Si Jésus représente quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, et tu dis que tu es en train de fêter Jésus. Mais on entend que le nom de Noël dans ta bouche. Noël, si, quand quel est ce nom? Moi, j'ai cherché dans ma Bible. Le mot Noël, je n'ai pas trouvé. Noël, on m'a Bible, tu es. J'ai cherché, fouillé partout, je n'ai pas trouvé. Si c'est Jésus que tu fêtes. Mais non, Jésus, si, quoi, tu m'as dit, je fête Jésus. Mais pourquoi tu m'as dit Noël? Noël, ça veut dire quoi? Noël était qu'à être gagné. Répondez! La folie de la religion! Mais Jésus veut vous libérer! De la folie! De ce monde! Il vous appelle à la repentance! Les temps sont finis! Le mot Noël n'existe pas dans la Bible! Mais Jésus-Christ! Il est Dieu de vérité! Et nous devons l'adorer en vérité! Alléluia! Alléluia! Les temps sont finis. Nous ne sommes plus dans le temps de caresser. De caresser la parole, dire la vérité. Nous devons dire la vérité. Les temps sont finis. Mettez de l'ordre dans votre vie. Toi qui m'écoutes en ce moment. Le Seigneur veut te sauver. De la colère qui s'annonce. De la destruction qui s'annonce. Mais il te tend la main. Il t'appelle à la repentance. Ne mets pas dans cette vie. Ma cour au personne pudicité. Mais viens à Jésus. Viens à Jésus. Répends-toi. Le monde t'a menti. Satan t'a menti. Vous dites que Jésus est né 25. Moi j'ai fouillé ma Bible, je ne l'ai pas trouvé. Maintenant vous te manipulez encore. Ils ont créé un personnage. Ils sont habillés en rouge. Et ils appellent ça Papa Noël. Est-ce que Papa Noël c'est le père de Jésus? Le monde est incrédule.
aïe, reconnu nous mal. Jésus va te libérer de cette folie. Alors Jésus, il y a tout canon et si canon de mon côté. Jésus va te libérer de cette folie. Jésus, il y a tout canon et si canon de mon côté. Sortez du monde. Mais que c'est une romaine. Sortez de cette génération pervers. Mais que c'est... Sortez de cette génération adultère. Mais que si, Benzak, quitte, sortez de cette génération de fornication. Mais que si, Aïho, quitte, sortez. Mais que si, mais. La colère de Dieu s'annonce. Aïho, mais que le mot de Dieu, Jésus-Christ a dit, Jésus, ce qui s'est passé, mon côté. Au temps de Noé, c'est ce qui arrivera. Les gens fêtaient. Les gens mangeaient. Les gens se couchaient entre eux. Et notre deuil de l'ego. Noé criait. Noé n'a pas tombé. Répondez-vous. Il est mort. Le guéri j'arrive. Si d'accord le diable n'a pas de soudre. Si d'accord le diable n'a pas de soudre. Les gens se moquaient de Noé. Les gens se moquaient de Noé. Les gens vivaient en s'en foutre. Jusqu'au jour. Noé est rentré dans le bateau. Noé est rentré dans le bateau. Noé est rentré dans le bateau. Et la colère de Dieu a débordé. Ça a ravagé la terre. Et la même chose s'annonce avant que ce jour n'arrive. Le Seigneur veut sauver au moins une personne. Toi, ouais. Répentance. Les voitures. Les temps sont finis. Quelques moments. La trompette va sonner. La trompette va sonner. Où seras-tu, mon frère, ma soeur? Où seras-tu ce jour? Repentance. Lève-toi. Repentance. Lève-toi. Dans Est-ce que ton âme est en fête? Allez, de quel autre doigt?
nous voir. Repentance. Les vagues. Les temps sont finis. Oui, les cocos. Les temps sont finis. Oui, les cocos. Le retour de Jésus. Jésus, c'est quand il est. Repentance. Les vagues. Repentance. Les vagues. Il y a une grande fête qui se prépare. La fête du retour de Jésus. Et quand il est Jésus-Christ. 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 Reviens bientôt. Et les cotiens, ça vous cherchez. Bon, maman. Ceux qui veulent fêter avec vous. Mais Dieu nous amen. Mais si vous fêtez avec le monde. Amen. Vous ne pouvez plus fêter avec Jésus. Repentez-vous maintenant. Repentez-vous maintenant. Repentez-vous maintenant. Sortez de plaisir mondain. Sortez de la fornication. Sortez du concubinage. Sortez. Sortez de l'adultère. Sortez de la prostitution. Sortez de jésabélisme. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Venez à Jésus. La colère de Dieu. La colère de Dieu. La colère de Dieu. S'annonce. Ce qui s'est passé. Au temps de Noé. Ça arrivera encore. Et puis. Et puis. Mais Jésus m'envoie. Je dis. Viens, toi, je vais te sauver. Le bâton de la grâce. Le bâton de la grâce. Est encore ouvert. Il y a le feu. Mais nous sommes tous enfermés. Voilà son. Toi. Le bâton. Viens à Jésus. Vois Jésus. Jésus t'appelle. Mon frère, Jésus t'appelle. Le fils de Jésus. Ne mets pas dans le péché. Il y a un danger. Il y a un danger. Si tu meurs. Nous à coup. Si tu meurs. Nous à coup. Sans Jésus. Bah, mais non, Jésus. Je te dis. Pardonne-moi. Tu n'es pas venu d'un arbre. Attention, tu meurs. Quelqu'un t'a créé. Mais nous est Yahweh. Et il t'a envoyé sur la terre. Mais sois cela, tout m'a dit. Et tu dois lui apporter le bilan. Adonne-moi à compte. Après ta mort. Et nous, à coucou toi. Mais toi, en venant sur terre. Ouais, toi, tu dis. Voilà. La mort n'existe pas. Coucou de haut. Tu dis. Alors. L'enfer n'existe pas. Mais on m'a coupé. Tu dis. Alors. Dieu n'existe pas. Moi, coucou de haut. Mais tu ne peux pas faire plus de 100 ans ici. Tu vas retourner là-bas. Tu vas retourner là-bas. Mais si tu vas là-bas, et tu vas te présenter devant celui qui t'a envoyé. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu diras à ton créateur? Tu vas dire, oh mon père, oh, toi, je ne savais pas. Oh, la religion m'a dit que tu es miséricordieux. C'est pourquoi j'ai passé tout mon temps à vivre dans le péché. Je ne savais pas, oh pardon. Il n'y a pas de pardon là-bas. Après ta mort, c'est fini. Viens le jugement. Mais ce soir, à mon badanti, Jésus t'appelle. Jésus de Yahweh. Viens. Ouais. Repentance. Lève-toi. Dieu ne tient pas compte du temps durant. Il veut te sauver ce soir. Quel que soit le nombre de masturbations que tu as commis. Quel que soit le nombre de fornications que tu as commis. Ce soir, si tu décides, oh mon père, fais-moi grâce. Je me réponds. Il va te pardonner. Mais si tu rejettes ce message, au moment où je suis en train de te parler, le ciel est en train de filmer. Les caméras du ciel ont filmé. Jésus-Christ t'aime. Ce soir, le Seigneur nous envoie un conseiller annoncer sa parole. Le message que le Seigneur nous a donné pour vous annoncer ce soir, c'est que son retour est imminent. Nous n'avons plus le temps à perdre dans l'immoralité. Il n'y a plus le temps à perdre dans le péché, dans l'abomination. Il n'y a plus le temps à perdre dans les perversités de ce siècle. Jésus-Christ veut gagner ton cœur ce soir. Si tu menais une vie de pudicité, une vie de péché,
mensonge. Personne n'a d'autre ton poids qui va ton poids. Présent à Galilée, ton aïe. Que tu sois présent ici ce soir. Voir le pic, madame. Jésus-Christ est prêt à te délivrer. Jésus-Christ ou Dieu peut t'avoir à son nom. Et seulement si. Nous pouvons accepter ton cœur. Ouvre ton cœur à la parole. Et tu l'acceptes dans ton cœur. Nous n'avons plus le temps à perdre dans l'alcoolisme. Ce soir, vous êtes nombreux à se rassembler ici. Disant que vous fêtez la nativité, le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais te faire savoir ceci. De la même manière que tu es engagé pour fêter cette fête de Noël, as-tu pris l'engagement de mener une vie de repentance, une vie de sainteté? Le Seigneur veut que tu te détournes de cette vie de péché. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses aller à la perdition. Mais la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour l'humanité, c'est que tu sois sauvé. C'est que chacun soit sauvé. Sauvé est le salut de son âme. La Bible dit que à quoi sert à l'homme de gagner ce monde? Que sert-il à un homme de se livrer au convoitise de ce siècle? Aujourd'hui, nous voyons que le diable pousse beaucoup de personnes dans des dérives. Lorsque certains voient l'onction, la gloire, l'étoile que Dieu a mis sur ta fille, ils cherchent des ruses, des manigances afin de te détourner de la foi de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur nous envoie te dire. Il veut te délivrer. Il veut te libérer. Afin que tu puisses marcher selon sa volonté. Le Seigneur dit dans sa parole. Unifié par la foi des nations. Le Seigneur ne t'a pas créé afin que tu te conformes au système de ce siècle présent. Le Seigneur t'a créé pour un but précis. Afin que tu puisses marcher selon sa volonté. Afin d'appliquer les rudiments de la sainteté. Afin d'atteindre son royaume. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur nous envoie te dire. Réfléchis. Ne soyez pas des fêtards. Le Seigneur ne vous a pas envoyé ici, ou bien vous n'êtes pas ici ce soir pour vous divertir, pour vous conformer au monde. Le Seigneur veut que tu te répandes. Le Seigneur veut que tu renonces aux choses perverses de ce monde. Le diable a pris une chaîne qu'il a attachée au cou des jeunes pour les tirer afin de les nuire et envoyer leur âme en enfer. Des pactes avec le diable afin d'obtenir la gloire, afin d'acquérir la gloire de ce monde.
Mais la gloire de ce monde ne peut mourir ton âme. La gloire de ce siècle ne peut mourir ta vie. Mais ce qui peut te nourrir, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le seul capable de te délivrer. C'est pour moi, mon frère. Ce soir, si tu entends ce message, n'endoucis pas ton cœur. N'endoucis pas ton cœur. Il n'y a plus de repentance après la mort. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après la mort, suivez le jugement. Chacun sera devant le trône de jugement de Dieu. Où ceux qui ont œuvré en justice rendront compte de la justice. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur ne veut pas que tu te livres au péché, tu te livres à cette convoitise de ce monde. Mais le Seigneur veut que tu viennes à lui. Malgré le nombre de tes abominations, malgré le nombre de tous de tes péchés, il dit si tu confies de ta bouche le Seigneur, tu crois que Dieu l'a envoyé pour te sauver, tu seras sauvé. Le Seigneur veut que tu puisses marcher avec foi et fermeté. Bien-aimé, à quoi sert-il à un homme de gagner ce monde? De se nourrir de l'amour du monde. Et perdre son âme. Bien-aimé, ne livre pas ta vie à l'immoralité. Ne livre pas ton âme au péché. Qui est seulement si nous tu veux te donner à lui. Bien-aimé, la Bible, le Seigneur est les fêtes de ce monde. Les fêtes de Noël, les fêtes sont en abomination à l'Éternel des armées. Et puis dans sa parole, Amos 5, verset 21. Je suis vrai prophète. Je ne peux me tenir dans vos assemblées. Parce que vous associez les ténèbres à la lumière. Bien-aimé, qu'est-ce qui donne gloire à Dieu si tu te livres à ces choses, ces vanités, ces frivolités? Le Seigneur est prêt chaque fois à te délivrer. Si et seulement si tu acceptes de venir à lui. Les temps sont finis. Il n'y a plus de repentance après la mort. Si tu mènes une vie de porcherie aujourd'hui, si tu mènes une vie d'incrédulité aujourd'hui, l'incrédulité ne peut sauver les incrédules. L'endurcissement ne peut sauver les endurcis. Malgré ton état de péché, le Seigneur continue de t'aimer. Jésus-Christ continue de t'aimer. Son amour pour toi ne peut jamais diminuer. Si ce n'est pas son amour qu'il a manifesté pour nous. Nous qui étions pécheurs, nous qui étions livrés à l'impureté, nous qui menons une vie de péché, Jésus-Christ sera libéré. Jésus-Christ peut faire de même pour toi. Si seulement tu comprends que tu ne peux même te sauver toi-même. Ta pensée ne peut te garantir le salut. Les richesses ne peuvent te garantir la vie éternelle. Mais c'est Jésus-Christ seul qui peut le faire. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois venir à Jésus-Christ. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que les temps sont finis. Jésus-Christ revient bientôt. La fête que tu dois préparer, c'est la fête des noces de l'agneau. Les élus du Seigneur Jésus-Christ seront tous enlevés et fêter cette fête. Cette fête n'est pas sur cette terre. Parce que cette terre ne peut nourrir, ton âme ne peut te sauver. Cette terre ne peut te sauver.
Mais ce soir, le Seigneur nous envoie
pour te dire, si tu viens à lui, il va te sortir de là. Il va te pardonner tes péchés. Ça ne dépend pas de nombre d'années que tu as fait dans le péché. Ça ne dépend pas de nombre de personnes que tu as déjà tuées. Ça ne dépend pas de nombre de personnes de la femme de toi avec lesquelles tu as déjà couché. Malgré tout ce que tu as fait, Jésus-Christ t'aime encore. Et il t'appelle ce soir. Mon frère, ma soeur, viens à Jésus. Viens donner ta vie à Jésus. Il veut te sauver. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. Pour sortir de l'alcool. Pour sortir de la masturbation. Pour sortir de la drogue. Pour sortir de la cigarette. Pour sortir de la fornication. Pour sortir de l'adultère. Pour sortir du vol. Pour sortir du braquage. Tu as besoin de Jésus-Christ. C'est lui seul qui ôte les péchés. Il est allé sur la croix pour toi, mon frère. Il a souffert pour toi, mon frère. C'est à cause de toi qu'il a souffert. C'est à cause de tes péchés qu'il a souffert. Ce n'est pas pour que tu fêtes la Noël qu'il a souffert. Ce n'est pas que tu manges de la pâte de la viande qu'il a souffert. Mais pour que tu sois sauvé du tétin péché. Tu es né dans le péché. Et tu viens encore dans le péché. Mais si tu reçois Jésus de Nazareth, il va ôter tes péchés. Il veut te délivrer du péché. Toi qui es fatigué de l'alcool. Toi qui es fatigué de la drogue. Viens donner ta vie à Jésus. Peut-être que tu as des soucis. Et tu crois qu'avec la drogue, tu vas te libérer. Mais depuis des années, tu as commencé par fumer la drogue. Mais ça ne t'a pas libéré. Depuis des années, tu as commencé par prendre de l'alcool pour te libérer. Mais tu n'es pas libéré. Mais je vais te dire ce soir, tu as une main tendue vers toi. Cette main, c'est la main de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a le mandat. Jésus-Christ est péché. Il dit, pour tout ce qui est fatigué, chargé. Venez à moi. Toi qui es fatigué. Je trompe ton mari. Je trompe ta femme. Et tu es de sortir de là. Mais tu n'y arrives pas. C'est parce que tu n'as pas Jésus-Christ. On était comme toi hier. On a mené les filles à la plage ici hier. Et notre objectif c'était de coucher avec eux. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, il nous a délivrés. Mon frère, ma soeur, ne finis pas la fête de Noël dans une chambre de passage. Si c'est Jésus que tu fêtes réellement. Ne finis pas la fête dans une chambre de passage. Ne finis pas dans une boîte de nuit. Jésus n'est pas un Jésus de boîte de nuit. Jésus-Christ soit une boîte de nuit. Il n'est pas un Jésus de chambre de passage. Et dit le chambre de passage. Un Dieu de sainteté. Ma frère, ma soeur. Ta religion ne peut pas te sauver. Si c'est toi qui voulais me dire. Ton pasteur ne peut pas te sauver. Le jour du jugement, tu seras seul devant le Seigneur. Mais quand diras-tu à ton Seigneur? Vas-tu dire que c'est à cause de ton pasteur? Vas-tu lui dire que c'est à cause de ton maître? Frère, ma soeur, il est temps que tu te repentes. Repends-toi maintenant. Si tu vois le monde, le monde couvre l'enfer. Le monde couvre la perdition. Mais toi, que je vois là,
roi des mondes. Ne marche pas avec le monde. 110 millions d'euros. 110 millions d'euros. Regarde aujourd'hui. Il y a des hommes qui couchent avec les hommes. Les femmes qui couchent avec les femmes. Quelle abomination. Quelle abomination. Le monde tend vers la fin. Ne mets pas dans le péché. Ne mets pas dans l'adultère. Ne mets pas dans l'alcool. Ne mets pas dans la vie des débauches. Ne mets pas dans le plaquage. Si tu meurs ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu meurs ce soir même, si en rentrant à la maison, si tu faisais un accident, que diras-tu à Dieu? Quel compte tu vas rendre à ton Dieu? Vas-tu lui dire que tu as couché avec beaucoup de filles? Vas-tu lui dire que tu as couché avec beaucoup d'hommes? Ma frère, ma soeur, ne sois pas stupide. Ne sois pas insensé. Si le monde va à gauche, toi il va aller à droite. Si le monde va devant, toi va derrière. Parce que la Bible déclare, n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Depuis hier, qu'as-tu fait? Pour rejouer le corps de Jésus-Christ. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, mon frère? Depuis hier, qu'est-ce que tu as fait? Pour rejouer le corps de Jésus-Christ. Repends-toi. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ta savoir. N'anticipe pas ton cœur. Les temps sont finis. Jésus t'appelle ce soir. Viens donner ta vie à Jésus. Regarde le monde. Le monde va vers la perdition. Mais toi, ne le suis pas. Ne suis pas le monde. Sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux. Jésus te tient la main. Ta religion t'a menti. Ta religion t'a menti. Mon frère, ma soeur, si ton pasteur ne te presse pas le retour de Jésus, si ne te presse pas le péché, et c'est la prospérité qui te presse, sois sûr que tu t'as détourné de la réalité. Jésus n'est pas venu pour la prospérité seulement. La seule chose qui a amené Jésus sur la terre, c'est le problème du péché qu'il est venu régler. Comment tu te dis chrétien? Est-ce que tu mets dans le péché? Est-ce que tu as vraiment reçu Jésus? Est-ce que tu as vraiment rencontré Jésus? Ma frère, ma soeur, si tu as encore la vie en toi, c'est le moment plus que jamais pour que tu te repentes réellement. Repends-toi, mon frère. Repends-toi, ma soeur. Les temps sont finis. Peut-être c'est à cause de toi seul que nous sommes venus ici ce soir. La Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Si tu meurs ce soir, ou si tu meurs cette nuit, et tu vas devant le jugement de Dieu, est-ce que tu pourras t'en sortir? Est-ce que tu pourras t'en sortir, mon frère? Est-ce que tu pourras t'en sortir? La Bible déclare, ce sont ceux qui ont lavé les robes. Ceux qui se sont sanctifiés, c'est eux seuls qui vont entrer dans le royaume des cieux. Mais dans la fornication que tu es là, est-ce que tu peux entrer dans le royaume des cieux? Dans le vol que tu es là, est-ce que tu peux entrer dans le royaume des cieux? Dans l'adultère que tu es là, tu trompes ta femme comme tu veux. Tu trompes ton mari comme tu veux. Est-ce qu'avec ça, tu peux entrer dans le royaume des cieux? Repends-toi, mon frère. Les temps sont finis. Jésus revient maintenant. Jésus revient maintenant. Si tu meurs ce soir, pour toi est fini. Il n'y a plus de repentance après la mort. Le prière qu'on te fera,
Ça ne pourra pas atteindre ton âme. Laisse-moi aller dans tout. Les prières qu'on va organiser. À l'église. À la maison. Même au Vatican. Ça ne pourra plus sauver ton âme. Le purgatoire n'existe pas. Repentez-vous, mes frères. Repentez-vous, mes frères. Le purgatoire n'existe pas. Amen. Repentez-vous, mes frères. Amen. Si tu veux faire la paix avec Jésus, fais-le de ton vivant. Fais-le maintenant. Fais-le de ton vivant. Je vais te dire cette vérité. Les enfants de 5 ans meurent. Les enfants de 15 ans meurent. Ça veut dire quoi? L'âge que tu as déjà là, ça suffit que pour que tu meurs. Mais si tu me sens Jésus là, mon frère, c'est un malheur. C'est l'enfer direct. La Bible déclare que servirait-il à un homme qui a gagné tout le monde, qui a gagné les belles femmes, qui a gagné les belles caisses, qui a gagné les belles villas, qui a payé le portable de 500 000, 1 million. Et si cette personne appelle son âme, quel est l'intérêt à-t-il ce homme-là? Ma frère, ma soeur, les temps sont mauvais. Jésus revient. Jésus-Christ, il y a de guerre partout. Ce sont des signes du retour de Jésus-Christ. Il y a des guerres un peu partout dans le monde. C'est une grâce que Jésus revient bientôt. Et il faut que tu sois vigilant. Et prépare-toi. Prépare-toi pour le retour de Jésus. Tu viens préparer pour la Noël. Nous à ça nous voilà nous Noël. Tu t'es préparé pour la Noël. À ça nous voilà nous Noël. Depuis des années. Depuis des mois plutôt. Si son bien son soupirait. Ce que tu vas à deux pas. Alors toi tu me regardes. Tu vas dans des marchés. Alors y a rien. Pour acheter des liqueurs. Pendant moi ma fille. Mais pendant tous ces jours. La voisine elle est bidée. Est-ce que tu as pris le sens de ton âme? Mais ça nous coupe le corps. Pour te préparer pour le ciel. Mais ça nous voilà nous servir toi. Ma frère ma soeur. Ce que tu fais est très dangereux. Mais blague à ta la casse. Repends-toi ce soir. Peut-être. Bravo. Tu vas quitter ici. Tu veux mourir sur la voie. Ah, je ne te le souhaite pas. Même si cela arrivait. Que diras-tu à ton créateur? Que diras-tu à ton créateur? Repends-toi, mon frère. Repends-toi, ma soeur. Ta religion ne te sauvera pas. Si c'est toi, si Jésus nous a loué. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Alléluia. Maman, Jésus t'aime. Maman, c'est Jésus nous a loué. Ta place, Jésus. Sans besoin de Dieu, Jésus t'aime. Jésus nous a loué. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le retour de Jésus. Jésus s'est pas loué. Le retour de Jésus. Imina, imina, imina. Écosseya. Ne mourra pas dans le péché. Si tu quittes ici, non, Gossifi. Ne va pas dans une chambre de maïs. File le don de la cause. Pourquoi tu as ce soir? Dans le champ de passage. File le don de la cause. Ne va pas. Maillot. Ne va pas. Maillot. Ne va pas. Maillot. C'est la mort. Quoi? C'est la mort. Quoi? Le salaire du péché. Le salaire du péché. C'est la mort. Ne va pas au rendez-vous de ce soir. Ne va pas dans un champ de passage. File le don de la cause. Viens à Jésus. Souviens à Jésus. Viens à Jésus. Vois Jésus. Les panneaux. Que tu as sur ton portable. Pardon, c'est la mort. Et alors, pour le portable, ça détruit ton âme. Ça roule ton âme. Et nous allons de toi. Les temps sont finis. Où est le coffre? Les temps sont finis. Où est le coffre? Revenez à Jésus. Mais où est Jésus? 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 Les temps sont finis. Où est le coffre? Les temps sont finis. Où est le coffre? Les temps sont finis. Où est le coffre? Un jour arrive. Les bâtons. Les bâtons. Les bâtons. Les bâtons. Les bâtons. Les temps sont finis. Venez à Jésus. 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 Vos âmes souffrent. Allez, donnez le à Dieu. Vos âmes. Il a droit de parler. Les péchés se multiplient. Il a droit de parler. À cause de cette mobile abominable fête qu'on a inventée. Bon, quoi? Qui l'on est? Et salut, le 25. Et là, Jésus a dit le 25 décembre. Vous multipliez le péché. Parmi nos croix, il a droit de parler. Si tu quittes ici maintenant, tu vas aller dans le champ de passage. Moi, quand c'est vite, il y a un filet de Dieu. Jésus est dans le champ de passage. Jésus a. Repentant. Mais lève-toi, les temps sont finis. Où est le coffre?
Ne mets pas dans le péché. Ma coulo n'y a d'homme. Ne mets pas dans le péché. Ma coulo n'y a d'homme. Dans ta vie à Jésus. Chaque besoin de Dieu, Jésus. Dans ta vie à Jésus. Chaque besoin de Dieu, Jésus. Les temps sont finis. Oui, là, qu'on faut. Le retour de Jésus. Jésus, c'est quand il est. C'est imminent. C'est imminent. C'est imminent. C'est imminent. Jésus, c'est quand il est. Tu vas te retrouver en enfer. C'est réel, l'enfer réel. Faut te croire, mieux au matin. L'enfer réel. Mieux au matin. Mais Satan t'a menti. Amen. Tu dois te connaître. L'enfer dans la tête. Non. Mieux au matin. Non. Quand tu meurs là, c'est fini. Quoi, merde. Pourquoi? Pour mon corps. Repentant. Jésus vous aime. Jésus, il m'a allumé. Amen. Amen.